bureau exécutif national UNOE mette chapeau bien bas pour saluer courage et détermination tout agent éducatif dans quatre coins pays pour contribution yo, pour contribution yo dans réussite premier journée grève que nous t'ai lancé hier qui était 17 avril 2023 dans sur tout territoire pays d'Haïti. N'a profité de conférence de presse ça pour nous bailler un bilan provisoire de premier journée grève ça. Et faut nous dit rapport qui sorti dans 11 coordination départementale nous yo, eh bien yo prouvé à clair que enseignant yo yo déterminé pour yo goumé, enseignant yo déterminé pour yo bataille pour que l'État haïtien ensemble avec ministre Nespi Maniga décider entrer dans négociation pour satisfaire revendication que nous gagne. Dans quelques départements tant qu'au sud-est, eh bien grandance, eh bien grève là il était rivé respecté à 100%. Dans quelques autres départements tant qu'au Latibonite, tant qu'au centre, tant qu'au nord-ouest, eh bien l'école yo était rivé suspend travail de 75 à 85%. Nous gagnons ces mêmes quatre figures là tout pour département sud, pour département NIP ainsi que département de l'ouest. Jean ça a été planifié, gagne quelques écoles qui étaient déjà dans examen, eh bien l'école ça a pas suspendre travail hier parce que yo a continué avec organisation épreuve. Il y a temps à ce que examen li terminé pour que yo entre normalement dans mobilisation. Dans sens ça, UNOE a demandé tout agent éducatif dans quatre coins pays d'Haïti pour yo kembe flambeau mobilisation. Nous dit UNOE a demandé à tout agent éducatif dans quatre coins pays d'Haïti pour yo continuer kembe flambeau mobilisation. Yon façon pour forcer gouvernement Ariel Henry ensemble avec ministre Nespi Maniga pour yo prendre responsabilité yo, pour yo commencer entreprendre de négociations réelles qui chita sous ensemble de revendications enseignants et enseignantes yo gagné dans le système éducatif là.